Bienvenue dans le dernier épisode de Daily Bee. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Qui disent qu'un plan d'affaires, c'est indispensable. Mais en réalité, un plan d'affaires, c'est vraiment pas utile si tu veux pas chercher des investisseurs. Il y a des parties du plan d'affaires qui peuvent être utiles, comme ton plan d'action pour accomplir tes objectifs, ton plan de marketing, ton plan financier, mais que ça soit structuré comme un plan d'affaires puis que tu aies l'histoire de ta compagnie puis tout ça là-dedans, si tu veux pas d'investisseurs, ça te sert à rien. Focus-toi sur qu'est-ce qui compte, qui est dans le fond un plan sur comment tu vas faire arriver tes choses et non juste un plan d'affaires pour que ce soit beau pis tout. C'est fou le chemin que j'ai fait avec Daily Bee. Tout, au début, c'était vraiment l'objectif de montrer mes journées, montrer qu'est-ce que je fais. Ça finit par être que je faisais des choses pas productives juste pour avoir le quoi qui se fait, qui est créé comme vidéo. J'ai lâché ça. J'ai vu vraiment l'utilité de ça. J'ai recommencé. Ça finit par être juste des petites capsules où ce que je parle, que je dis qu'est-ce que je pense. Puis là, je vois que qu'est-ce qui s'en vient, ça va être grand. Ça va être beaucoup mieux que ce que Daily Bee est présentement. Mais de finir ça comme ça, finir Daily Bee, tu sais, c'est comme une étape qui se finit. C'est comme... je sais pas comment l'expliquer. C'est juste, ça complète, dans le fond, la série. Puis, c'est une belle réussite d'avoir fait ça. C'est comme un petit peu quelqu'un qui fait une série à télé, puis que sa série finit. Donc là, c'est sur YouTube, puis sur les médias sociaux. Mais... Qu'est-ce que je te dirais avec ça? C'est toi aussi. Tu sais, crée quelque chose puis va jusqu'au bout. Je pense que c'est ça l'important dans le fond, dans la vie, c'est de commencer, continuer, même malgré les défis, les obstacles, peu importe, de recommencer. That's it. Fait que je vais compléter l'épisode de Daily Bee en me disant, trouve ton rêve, vis ton rêve, puis that's it. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.